L'Arménie s'apprête à célébrer son deuxième Noël depuis le séisme. Dans quelles conditions? Découragement ou espoir? Amertume ou foi solidaire? Rappelez-vous, c'est il y a juste un peu plus d'un an. Des noms de villes jusqu'alors inconnus pour la plupart d'entre nous prenaient tout à coup des résonances tragiques et nous devenaient lugubrement familiers. Spitak, Léninakan, Kirovakan. La presse arménienne de France, informée directement par ce correspondant sur place, donnait la vraie mesure du désastre. Ashrar n'hésitait pas à évoquer Hiroshima. Aratch annonçait le départ d'avions français transportant 200 sauveteurs. Tranquille et cossu, la rue Jean Goujon à Paris. La cathédrale arménienne apostolique s'y encastre entre deux immeubles. Un passage mène au siège de SOS Arménie. Entouré de deux de ses collaboratrices, Krikor Papazian, secrétaire général de SOS Arménie, arrête les dispositions à prendre. En décembre 88, c'est-à-dire il y a un an maintenant, tout de suite après le séisme, SOS Arménie a dû se réorganiser très vite pour faire face aux besoins les plus urgents. Et puis, bien entendu, vous êtes adapté aux besoins. Et maintenant, quelle est votre structure? Alors aujourd'hui, donc, vous rappeliez à juste titre que SOS s'est spontanément créé le 8, le jour de la catastrophe, l'horrible catastrophe, par les trois chefs religieux, et aujourd'hui nous avons une structure assez légère de 12 personnes, dont les trois responsables de l'Église, qui président aux destinées des SOS. Je suis le secrétaire général, c'est assez tournant, je pense que dans un mois ou deux il y aura un changement à ce niveau-là, deux trésoriers adjoints, une structure tout à fait classique. Voilà de quoi est composé notre... Et puis vous avez un correspondant à Erivan, oui, même. Oui, nous avons un bureau permanent, ça va faire 6 mois bientôt, qui est installé à l'Institut de mécanique de Yerevan. Nous avons des liens privilégiés avec l'Académie des sciences. C'est une longue histoire, puisqu'il a fallu, comme vous savez, toutes les aides matérielles que nous avons pu apporter, médicales, vestimentaires et nourriture, être dispatchées sur le terrain. Donc c'est grâce aux instituts qui gravitent autour de l'Académie des sciences que nous avons pu nous faire aider sur le terrain. Donc depuis, nous avons des liens très très privilégiés, et nous avons même une convention avec l'Académie des sciences pour faire des échanges de chercheurs, d'intellectuels réciproquement. Et c'est grâce à ça qu'on a eu droit à un bureau qui est tout près donc de l'Académie des sciences. Et nous avons un garçon d'origine de France, un Arménien de France, qui poursuit tous nos projets et qui tient des liens tout à fait réguliers avec nous, par Telex, par téléphone, etc. C'est cela. Et puis il y a des délégations de SOS Arménie qui vont en Arménie. Et vous-même, vous en faisiez partie, oui, tout récemment. Oui, oui. Alors, quelles impressions ramenez-vous de l'Arménie soviétique? Écoutez, d'impression générale, donc, si vous voulez, il y a quelque chose qui est très frappant, enfin, je l'explique toujours sous cette forme-là, il y a un très grand bouillonnement, un bouillonnement vers les lieux à reconstruire, bien sûr, un bouillonnement d'idées, une envie très très grande de relations avec l'Occident. C'est pas une nouveauté, mais je crois que l'Arménie a été une des premières dans ce sens. Donc il y a un besoin de contact. Jeune reporter photographe, Alexandre Aslanian s'est rendu 2 fois en Arménie depuis le séisme. Oui, c'était dans le cadre d'une mission de SOS Arménie pour acheminer des vivres et des médicaments en Arménie. Donc ça se trouvait début janvier
et une partie du mois de février. Donc je suis resté la première fois un mois et demi en Arménie soviétique. Et la deuxième fois, dans quel but ? La deuxième fois, c'était dans un but opposé, enfin différent en tout cas. C'était au mois de juin et au mois de juillet 1989 pour mon travail personnel en tant que reporter photographe. Et vous avez ramené, bien entendu, beaucoup de photographies. Oui, j'ai ramené pas mal de documents photographiques. Alors, vous avez sillonné à peu près toute l'Arménie. Quelles sont vos impressions ? Mes impressions sont un peu celles de tout le monde, malheureusement. Celles d'un pays dévasté, un pays au bord du gouffre. Et en tant qu'Arménien de la diaspora, une sorte de grande attente des Arméniens d'Arménie envers les Arméniens essentiellement des États-Unis et de France qui étaient le plus présents juste après le tremblement de terre sur les lieux du séisme pour l'aide humanitaire. Au siège de Médecins du Monde, nous avons retrouvé le docteur Monique Donabédian. Après le séisme l'an dernier, elle avait été une des premières à se rendre sur place porter secours. Elle nous avait raconté son expérience. Depuis, elle n'a pas cessé de se dévouer à l'Arménie en deuil. Effectivement, si je n'y suis pas retournée tout de suite après, mais simplement 6 mois après, les efforts de Médecins du Monde, eux, ne se sont pas relâchés. Nous avons, en 6 mois, tout d'abord dans la période d'extrême urgence, envoyé environ 50 personnes sur le terrain. Nous avons envoyé 29 tonnes de matériel médical, de reins artificiels, des appareils qui servent à la dialyse, puisque c'était le premier besoin qui s'était fait ressentir sur le plan médical. Nous avons envoyé 28 tonnes de vêtements et de couvertures qui provenaient de dons de la communauté arménienne, que nous avons distribués sur le terrain, nominalement, dans les villages sinistrés essentiellement, autour de Spitak et de Kirovadan. Nous avons effectué des consultations pendant plus de 6 mois dans des mobilhomes qui étaient transformés en dispensaires, en cliniques mobiles. Et tout cela a coûté 19 millions de francs qui ont été en totalité alloués par la communauté économique européenne. Le hall de Médecins sans frontières. C'est là que, rentrant de mission, les membres de l'association viennent signaler leur présence. Nous avons rencontré le docteur Xavier Emmanueli, président d'honneur de MSF. À Médecins sans frontières, vous êtes un peu celui qui a évalué la situation, évalué les besoins. Bien oui, parce que je suis un spécialiste de médecine de catastrophe. Les besoins étaient forcément immenses, puisque dès l'arrivée des premières équipes, on a compris que c'était une catastrophe au-delà de ce que même les journalistes décrivaient. Et donc, de toute façon, on ne ferait pas face. Mais il a été dit qu'il y aurait des crush syndromes, c'est-à-dire un syndrome d'écrasement, et on a envoyé des reins artificiels et des équipes de dialyse. Et c'est pourquoi j'ai voulu aller voir. Je suis anesthésiste réanimateur et je connais un peu la dialyse. Et je voulais savoir où est-ce qu'on en était et si on pouvait faire face à tous ces besoins. Il faisait très froid, il y avait des milliers de gens, des centaines, des dizaines de milliers de gens sans abri qui rôdaient, qui errait dans les rues comme après toute grande catastrophe, la foule, la masse de la population est complètement hébétée. En Arménie, Handicap International et Médecins sans frontières ont travaillé la main dans la main. Écoutons Philippe Chabas. Quelle part a prise Handicap International à ces secours envoyés à l'Arménie? Handicap International donc, s'est attaché à secourir plus particulièrement les victimes handicapées physiques. On doit bien se douter que, vu l'étendue des dégâts, la plupart des victimes étaient des gens qui souffraient de fractures des membres ou du tronc. Et donc, il a fallu mettre en place un programme de rééducation fonctionnelle pour les gens qui étaient hospitalisés à la suite de fractures et donc pour lesquels il s'agissait d'offrir des soins de kinésithérapie pour qu'ils puissent sortir de l'hôpital le plus rapidement possible et surtout qu'on évite des séquelles importantes dans leur vie future. Quelles ont été les principales difficultés rencontrées ? Les difficultés, je crois qu'elles étaient de deux ordres. D'une part, avec l'administration locale, puisqu'il a fallu
faire admettre une aide dans un domaine qui était le leur, mais sur lequel ils n'étaient pas capables de fournir l'effort nécessaire. Donc première difficulté d'ordre administratif, et seconde difficulté, qui est celle qu'on rencontre dans toutes ces circonstances identiques, à savoir petit à petit rentrer en contact avec les gens, puisque je crois que le travail avec les handicapés physiques fait partie de ce qui est le plus dur, mais en même temps le plus valorisant à faire dans des conditions comme ça, à savoir qu'on a à essayer de faire revivre des gens qui, d'une part, ont tout perdu, leur maison, leur famille, mais en plus ont été touchés dans leur corps. Donc c'est un domaine, c'est-à-dire l'action en faveur des handicapés physiques, c'est un domaine où le lien est le plus fort entre la personne qui vient aider et la personne récipiendaire. Et je crois qu'il y a eu, le courant est très très bien passé entre nombre de nos kinésithérapeutes et les amputés qu'ils ont eu à soigner. Bon, Handicap International a travaillé conjointement avec Médecins Sans Frontières sur ce problème-là. Et sur le long terme, maintenant, Handicap International n'est plus présent en Arménie, puisque des organisations américaines de plus grande taille et la coopération allemande ont mis en place des projets de formation d'appareilleurs arméniens aux techniques d'appareillage moderne. Donc petit à petit, ce qu'on a réussi à faire, je crois, c'est un travail d'urgence et à repasser la gestion des différentes aides à des gens qui ont les moyens de les assurer à long terme. Un an s'est écoulé et toutes les traces, enfin toutes les conséquences à court terme, eh bien petit à petit elles se sont comblées. Et les gens ont trouvé des abris, les familles ont essayé de se regrouper. Médecins Sans Frontières poursuit son action en Arménie. Le docteur Marc Castellu explique comment. Nous venons de commencer un nouveau programme. C'est un programme qui est difficile, c'est un programme d'aide psychologique aux enfants. Pourquoi ? Parce que les enfants se réveillent soit devant des ruines, soit devant une absence de maison, là où ils ont connu leur père, leur mère, ou alors devant des nouveaux bâtiments qui sont en train de se construire. Et nous avons pensé qu'il était très important, à minima bien sûr, mais d'aider psychologiquement ces enfants. Donc ce projet est actuellement en train de s'ouvrir. C'est l'état psychologique des enfants qui, en fait, nous a le plus interpellés. Et nous y avons répondu de façon massive. Effectivement, 1500 enfants que nous avons pu examiner en 10 jours, c'est-à-dire que nous avons, selon un protocole d'évaluation que nous avions mis préalablement en place à Paris, a montré que environ 50 000 enfants était atteint de dépression, de névrose traumatique. On peut facilement imaginer que ce tremblement de terre a complètement ébranlé le psychisme, pas seulement des enfants d'ailleurs, mais des adultes aussi. Et nous travaillons sur ce projet avec l'Institut psychosomatique parce que nous pensons qu'il faut une exurgence du vécu affectif et traumatique pour aider ces enfants à retrouver le psychisme qu'ils avaient avant le tremblement de terre et pour mieux le maîtriser. Comment sont-ils à l'heure actuelle ? À l'heure actuelle, les enfants sont ceux que nous avons examinés en avril, étaient effectivement très, très angoissés, soit indifférents, soit très angoissés. Certains étaient mutiques. Nous avons constaté qu'il y avait une absence totale de règles chez certains enfants. D'autres étaient anorexiques, c'est-à-dire ne se nourrissaient plus depuis le tremblement de terre. Des cas extrêmement, extrêmement graves. Et très très vite, nous avons mis en place des équipes de psychothérapeutes français qui travaillent en collaboration avec les psychiatres et les psychanalystes arméniens pour essayer de les aider. À la base, il y a une collaboration avec les Arméniens. C'est très clair, nous ne pensons pas nous substituer à un système de santé qui n'existe pas. Le grand drame en Arménie, c'est que on ne parle pas du tremblement de terre. C'est un sujet tabou. Dans les familles, il vaut mieux enfouir ce drame, plutôt que d'en parler. Et vous essayez au contraire, vous, de l'extraire. De l'extraire, de façon à ce que les enfants puissent retrouver un psychisme antérieur. Si vous voulez, on peut penser, comment vous expliquer,
Avant le tremblement de terre, les enfants avaient un état psychique X. Le tremblement de terre a complètement désorganisé le système de pensée et le système de réaction affective. Donc ce qu'il faut, c'est le ramener à un état X, celui qu'il avait antérieur au séisme, de façon à ce qu'il puisse se prendre en charge complètement. J'aperçois des dessins d'enfants derrière vous. C'est une de vos méthodes ? Oui, effectivement. Ça se fait dans le cadre de mon groupe d'expression clinique. Sur un thème bien précis, on demande aux enfants de dessiner un bonhomme, une maison. Et c'est une façon de s'exprimer. Les enfants mutiques dessinent tous. Certains même disent « nous ne pouvons pas dessiner », mais au moins ils prennent un crayon et ils dessinent. Devant un enfant mutique, il n'y a pas d'autre méthode. Nous organisons des groupes de jeux et déjà nous avons constaté des résultats. Certains enfants dont les parents nous avaient signalé qu'ils étaient complètement anorexiques, qu'ils refusaient d'aller à l'école, puisque vous vous rappelez que le tremblement de terre a eu lieu à midi ou moins 20 le 7 décembre, les enfants étaient dans les écoles, c'est la raison pour laquelle il y a eu tant d'enfants morts. Les enfants ne veulent plus retourner à l'école. Et nous avons déjà constaté que certains enfants, depuis 3 mois que nous les avons pris en charge, retournent à l'école et se nourrissent à nouveau. Joël Tanguy et Thierry Climat ont fait partie de l'équipe de Médecins sans frontières. Ils rapportent leurs impressions. Ce qui m'a le plus marqué dans cette situation où l'action humanitaire commençait à s'inscrire un petit peu dans le quotidien, c'est surtout le contexte dans lequel on travaillait, c'est la perestroïka, c'est en fait l'effort de l'espoir que les Arméniens commençaient à vivre après encore le tremblement de terre qui était un nouveau vécu des plaies qu'ils avaient vécu depuis le début du siècle. Et surtout la collaboration étroite qui s'est passée entre les Arméniens et les Français, dont Thierry pourra parler au niveau de l'urgence, mais qui a continué à exister pendant tout notre passage là-bas. Mais il y avait aussi un autre objectif qui s'est défini au bout de quelques jours, c'est qu'on répondait vraiment à une attente du peuple arménien au niveau du dialogue. Et on s'est aperçu que beaucoup de gens venaient en consultation aussi pour parler et exorciser un petit peu tout leur malheur. Et je crois que c'est très important. En fait, si le moral suit, on peut avoir la force de reconstruire et de repartir. Donc ça, c'est très, très important. Alors, vous avez mis en chantier un certain nombre de projets qui sont même, pour certains, très avancés. Est-ce que vous voulez nous en parler ? Oui, nous avons deux séries de projets aujourd'hui. Des projets en voie de réalisation dans les phases donc d'exécution. Et puis, deux, trois projets qui sont à l'état d'étude, mais qui prennent aussi une bonne voie vers une réalisation future. Alors, nous avons mis l'accent surtout sur la construction, l'aide à la construction. Et dans cet esprit, nous avons proposé et fait accepter par l'Arménie un système de construction pour faire des bâtiments antisismiques et correspondant aux normes tout à fait requises pour tenir sur un terrain aussi dangereux que certains coins de l'Arménie. Vous avez participé également à la reconstruction. En effet, sur les 28 dispensaires qui existaient préalablement au séisme, 3 étaient restés debout et pouvaient fonctionner. Nous avons construit 5000 m² de bâtiments sanitaires dans la région de Kirovagan. Il y a en fait une maternité, 4 polycliniques, 9 centres collectifs, 5 dispensaires spécialisés, 3 hôpitaux ruraux. Il faut se rendre à l'évidence, la reconstruction piétine en Arménie. Noël est là avec le froid de l'hiver et la neige. La plupart des victimes du séisme le passeront ce deuxième Noël, tristement, sous la tente. On dit qu'il y a une certaine déception de la part des Arméniens sur la façon dont le pays est en train d'être reconstruit. Est-ce que vous avez ressenti cette amertume ? Oui, alors cette amertume, c'est effectivement quelque chose que l'on voit, que l'on entend, que l'on ressent même tous les jours. Et les Arméniens viennent, dès qu'ils savent que vous venez de la diaspora, donc vous êtes un petit peu considéré comme, à tort d'ailleurs, comme un messie, comme quelqu'un qui a des pouvoirs surnaturels pratiquement. Alors, c'est peut-être automatiquement une sorte de,
de points de convergence, sorte de cahier de doléances que viennent vous présenter les Arméniens sur la lenteur de la reconstruction, sur les errements et les égarements de l'aide humanitaire en ce qui concerne les destinataires, et surtout sur le rôle des militaires soviétiques, russes et non-russes en Arménie, qui, d'après eux, n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre d'une armée qui est censée protéger les habitants. Alors, d'une façon générale, le moral des Arméniens aujourd'hui ? Le moral est, j'ose pas dire positif, mais il est plein d'espoir, tourné essentiellement vers la diaspora. En ce qui concerne l'industrie, qui a beaucoup souffert. Oui, beaucoup, beaucoup souffert. L'industrie légère en Arménie représente, dans le budget total de la nation, environ 65% des revenus. Donc, ça avait une place importante. Alors, or, cette industrie légère a été détruite aux trois quarts, voire inutilisable. Donc, l'un des soucis premiers a été de donner un outil, de pouvoir remettre les gens plus que choqués, et on le saurait à moins, vous le pensez bien, à la suite de cette catastrophe, de les mettre au travail, d'essayer de les détacher du quotidien, qui est très très pénible encore, et donc de redonner du travail. Alors, d'autres projets ? Eh bien, il y a aussi l'agriculture. Vous savez que nous sommes tous très portés vers l'agriculture à travers nos villages, les villages qui ont été détruits et qui sont, hélas, pas tout à fait reconstruits. L'agriculture en France a mis deux missions au mois de juillet et août. L'une concernant la création d'une ligne de fabrication d'aliments pour bétail. Nous sommes partie prenante dans le financement avec l'agriculture, avec le constructeur qui est une société française, Tolls, pour ne pas la nommer, et des sponsors français, ce qui permettra vraisemblablement d'attirer d'autres industriels et créateurs français sur le terrain. Pour l'Arménie, le problème politique du Haut-Karabakh, son conflit avec son voisin l'Azerbaïdjan, ses difficultés avec les autorités centrales moscovites, viennent s'ajouter au désastre provoqué par le séisme, aux lenteurs de la reconstruction, à la masse des enfants orphelins ou lourdement handicapés. En cette période de Noël, consacrée traditionnellement chez nous aux cadeaux et à la joie, nous sommes allés demander à Mgr Kud Nakashian, archevêque de l'église apostolique arménienne, comment pouvaient être vécues ces journées de fête actuellement en Arménie. Noël, en général, c'est le message de la solidarité et l'amour qui se répète pour tout le monde. Nous fêtons déjà Noël le 6 janvier, vous savez bien. Et malgré cela, nous partageons la vie de solidarité, d'amour qui vivent aujourd'hui la communauté chrétienne en général. Dans une petite rue pittoresque près de la Contrescarpe, dans le 5e arrondissement de Paris, réside Mgr Krikor Gabroyan, éparque de l'église arménienne catholique de France. Eh bien, nous ne pouvons que nous adresser au prince de la paix pour que la paix règne en Arménie après ce séisme qui a fait tant de ravages. Nos frères humains, et je ne veux pas les nommer pour ne pas en oublier, ont été d'une solidarité extraordinaire, et je dirais exceptionnelle. Mais vous savez, une fois le temps des urgences passé, reste le deuxième et le troisième stade. Et c'est là où l'Arménie, plus que jamais, surtout la population des zones sinistrées, a besoin de nos solidarités à plus longue échéance pour reprendre courage, pour reconstruire les maisons, et l'économie. Et c'est pour ça que je m'adresse à l'État français comme à tous les États, mais principalement en France, puisque nous y vivons,
où nous avons une communauté française d'origine arménienne importante. Et je demande à la population française de continuer à aider nos frères dans l'Arménie. Nous ne pouvons pas ne pas penser à cet autre séisme qui a commencé bien avant le séisme naturel. Je parle de la question du Haut-Karabakh, qui est chère à tout cœur arménien, certainement. Et nous ne pouvons que souhaiter que les autorités centrales soviétiques, que les autorités de l'Azerbaïdjan et les autorités arméniennes puissent trouver un consensus de coexistence, voire même de collaboration, entre ces deux peuples voisins, et que les libertés fondamentales de chaque groupement ethnique soit respecté et sauvegardé, et que les vies humaines surtout soient protégées. Voilà ce que, en ce jour de Noël, nous pouvons souhaiter pour l'Arménie. Quant au catholicos Vasken Ier, de son église d'Etchmiadzin, en cette période de Noël, il ne cesse de faire parvenir des messages où l'on retrouve les mots de prière, de partage des peines, de foi et d'espoir de reconstruction de l'Arménie. L'Office national de la culture et des traditions arméniennes organise du 7 avril au 23 avril 1990 un voyage culturel et spirituel en Syrie, aux sources des civilisations millénaires, Ougarit, Ebla, Mari, Palmyre, Doura Europos, Sergiopolis, Bosra et Saint-Siméon le Stylite. Au berceau du christianisme, avec les couvents de Maloula, Sednaya et Saint-Georges. À l'époque des croisades, au château du Krak des Chevaliers, Safita, Markab et Saladin. À Damas et Alep. Renseignements et documentation pour ce pèlerinage spirituel du 7 avril au 23 avril 1990, veuillez écrire en indiquant votre téléphone à l'Office national de la culture et des traditions arméniennes, 16 rue José Maria de Heredia, 75 07 Paris.